Malgré les avertissements de l'Iran concernant des attaques massives après l'assassinat du leader du Hamas, Ismaïl Haniyeh, sur leur territoire, il semble qu'Israël ne compte pas s'arrêter. Herzi Halevi, le chef d'état-major général des forces armées israéliennes, a averti que l'armée trouvera également le nouveau leader du Hamas, Yahya Sinwar, et le détruira. Nous allons multiplier nos efforts pour le trouver, l'attaquer et que la direction du Hamas remplace à nouveau le chef du bureau politique, a déclaré le général Halevi. Sinwar, chef du Hamas à Gaza depuis 7 ans, a été nommé leader politique du groupe mardi soir, succédant à Ismaïl Haniyeh, tué la semaine dernière à Téhéran dans une attaque attribuée à Israël. Halevi a affirmé que malgré le changement de titre de Sinwar, cela n'empêchera pas Israël de le détruire. Ce nouveau titre ne changera rien au fait qu'il est un meurtrier, responsable de la planification et de l'exécution de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et ce changement de titre non seulement ne nous empêche pas de le chercher, mais nous encourage également, a-t-il déclaré. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, avait déjà déclaré mardi soir que Sinwar devait être exterminé rapidement.